Allez, on est à l'antenne, peut-être, je crois. Allez, ça y est, on est à l'antenne. Alors, bonsoir à tous, les amis français, bonjour à tous, les amis québécois. Bienvenue pour le On parle MLS numéro 5, en ce mardi 24 février, une semaine et demie avant la reprise du championnat. Donc, on va en profiter aujourd'hui pour parler d'un autre sujet. On va parler des jeunes joueurs, soit qui arrivent aux États-Unis, soit qui sortent de la fac. Enfin, on va parler des jeunes joueurs professionnel ou sur le point de l'être aujourd'hui. Et pour cela, nous avons deux invités qui connaissent plutôt bien la question puisqu'ils sont dans cette situation-là actuellement. On a d'abord Michael Oliveira Barroso qui était à Wilmington mais qui n'y est plus. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors, je te laisse te présenter Michael un petit peu, ton parcours, voilà, Voilà, tout ce que tu veux dire. je m'appelle Michael Oliveira Barroso. Je suis belge d'origine brésilienne et j'ai joué 2 saisons à Wilmington Emirates en Caroline du Nord, qui évolue en USL. Eh bien, Et merci, voilà. Mickaël. Et ensuite, nous avons Yanis qui, lui, par contre, va jouer en Caroline du Sud. On te laisse te présenter, Yanis. Ah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yanis Fekir. J'ai 20 ans. Je viens de Paris, en France. Plus jeune, j'ai joué avec le Bayern Leverkusen pendant 4 ans. Là, cette année, je suis au FC Sochaux en France, donc une équipe de deuxième division française. Donc, je vais rejoindre l'université de la Caroline du Sud à partir du mois d'août pour pouvoir voilà, faire 4 saisons avec eux et essayer pourquoi pas de décrocher une place en MLS. Eh bien, c'est bien, voilà, de l'ambition, c'est cool, c'est ce qu'il faut. Puis nous avons bien entendu ce soir Romain et Vincent, les habitués, les abonnés, enfin pas les abonnés, parce qu'ils ne sont pas abonnés, mais comment dire, ils On sont l'est habitués à aussi. l'émission, on n'a même plus besoin de les présenter. Mais on va quand même le faire. Romain et Vincent, à vous de vous présenter. Vas-y, Romain, déjà. Merci. Romain, ouais, moi j'écris pour Soccer France depuis 2-3 mois maintenant. Donc voilà, avec Lucas. Ah, et Vincent, bon, lui, il va encore nous faire sa fiche habituelle. Ouais, On est tous excités là. c'est 18 sites. Alors, je vous prie pour. Il y a combien de temps d'émission pour savoir si j'ai le temps de tous les placer? Ouais, non, là, ça va être trop chaud. Il y en a pour après 3 mois. Donc. Bon, vas-y, mets Bon, ça à toi. bonjour à tous. Vincent, donc, quatrième participation sur 5 à l'émission, déjà. Donc j'écris pour Soccer France, Outsider France, et tout le monde s'en fout. Voilà, Voilà. donc, alors sachez que c'est quelqu'un qui ne prend jamais de carte de fidélité selon là où il va. C'est quelqu'un qui est toujours. Voilà, d'ailleurs, même le mariage est une notion qui n'existe pas pour Vincent. Bref, De quoi? C'est quoi ça? comment? Manque de fidélité, c'est tout. Il y a manque de fidélité. Mais on s'en fout, c'est bien, c'est pas grave. Il faut aller piocher partout, dans tous les domaines. Bon, messieurs, on va se calmer un petit peu. On va se calmer et on va passer au sujet du jour. Donc, nous allons parler Genoa. Enfin, voilà, nous sommes tous jeunes, hein, puisque on a tous plus ou moins entre 18 et. Je crois que ça va être Mickaël ou Vincent le plus vieux. Vous avez quel âge, Mickaël et Vincent? Moi j'ai 23 ans, j'ai eu 23 ans le mois dernier. Voilà, Mickaël, 23 ans, et Vincent, tu as. Ah ben, c'était moi le plus vieux, j'ai eu 24 ans en décembre. Ah, d'accord. Bon, voilà, donc on va de 18 à 24 ans, donc c'est très bien ce soir. Donc on va parler des jeunes, les gars, et on va parler de l'arrivée aux États-Unis pour un jeune joueur qui vient d'étranger. Donc, Mickaël et Yanis, vous pourrez nous en parler un petit peu. Comment ça se passe pour un joueur qui découvre les États-Unis d'entrée pour essayer de faire une carrière là-bas? Comment ça se passe pour vous? Je vous laisse commencer, peu importe, Mickaël, Yanis. Vas-y, je te laisse commencer, Mickaël. Ah ben, Mickaël a été déconnecté. On va Non. avoir un petit souci avec Mickaël, donc vas-y, Yanis, je te laisse. Dans quel sens, en fait? Parce que moi, en fait, j'ai visité qu'une seule fois les États-Unis. Alors, C'était il y a... Ouais, c'était en 2013, il y a 2 ans, en fait. J'ai visité, je suis parti à Atlanta. Voilà, vas-y. Vas-y, explique-nous ton parcours Donc, en fait, là-bas. moi, je suis parti à... Donc, alors, comment j'ai découvert les États-Unis? Comment j'ai rejoint la NCAA? Alors en fait, en 2013, je suis rentré en contact avec l'équipe d'Atlanta, donc qui est en NASL aujourd'hui. Donc j'avais un contact avec le coach à l'époque qui s'appelait Ricardo Montoya, qui était le coach de l'équipe réserve.
Et donc, en fait, je suis rentré en contact avec lui, avec mon conseiller. On a essayé de voilà, discuter un peu du projet qui était avec Atlanta, qui était bien sûr de monter en MLS dans les 5 prochaines années. Donc, à l'époque, j'avais 18 ans, donc j'étais assez jeune. Donc, en fait, il m'a proposé de d'abord rejoindre l'équipe réserve pour après pouvoir directement monter en équipe première. Donc je suis parti, j'ai visité un peu les installations d'Atlanta, j'ai discuté un peu avec lui, avec les coachs, le coach d'équipe première. Et donc après, en fait, j'ai refusé de rejoindre l'Atlanta parce que bon, je trouvais que le projet il mettait pas en valeur en fait les joueurs qui étaient en équipe réserve d'Atlanta. Il préférait prendre des joueurs internationaux ou des joueurs qui sortaient de fac directement. D'accord, donc, oui. Donc après, voilà, moi je leur ai expliqué, je leur ai dit que voilà, j'étais pas vraiment intéressé. En plus, le coach Ricardo Montoya, qui était le coach que je devais avoir l'année d'après, il partait, il passait carrément dans les bureaux de l'équipe, donc il était même plus coach, donc j'aurais plus du tout sa confiance. C'est plus facile quand on arrive et que le coach il nous connaît déjà. Mm-hmm. Donc voilà, donc j'ai refusé, je leur ai dit non. Et en fait, par la suite, donc dans la semaine, à mon retour à Paris, dans la semaine, j'ai commencé à recevoir en fait quelques mails de coachs universitaires qui connaissaient le coach de l'Atlanta. Et donc voilà, après c'est comme ça. Au début, j'ai reçu beaucoup de mails de community college. Donc c'est des universités, mais en 2 ans. Donc c'est un niveau plus bas que la NCAA. D'accord, ouais. Donc, voilà. Je parlais avec eux et voilà, après aussi je les ai refusés un peu parce que mon but c'était vraiment d'aller jouer au plus haut niveau américain, quoi, chez les jeunes. Mmh. Donc après voilà, je suis rentré en contact avec des coachs, avec plusieurs universités, et voilà, à la fin j'ai fait mon choix, j'ai rejoint l'université de la Caroline du Sud. Ben c'est bien, c'est un parcours intéressant à découvrir de Yanis, donc d'abord Atlanta, mais donc ça c'est pas fait, puis la fac, ben ça va te du faire coup, 4 années pour te développer coup, un petit peu. Ouais, allez, vas-y Romain. Ouais. Ouais, excuse-moi, j'ai une première question pour Yanis. Du coup, quand tu vois aujourd'hui que tu sais qu'Atlanta va rejoindre la MLS d'ici 2 ans, t'as pas un peu de regret, entre guillemets? Bah, ça me fait quelque chose un petit peu, parce que je me dis que si aujourd'hui je serais encore à Atlanta, si j'aurais signé à Atlanta, aujourd'hui je serais peut-être encore avec l'équipe réserve. Alors, j'aurais fait des apparitions, quoi. Alors, j'ai une remarque à faire. C'est que, alors Romain, Yanis, elle a comment? L'équipe que l'on t'avait proposée, c'était donc c'est l'équipe des Silverbacks là qui évolue aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est les Silverbacks en NASL. Ouais. Et donc en fait, je sais pas s'il y aurait le passerelle parce qu'il faut savoir que l'équipe d'Atlanta qui arrive en 2007, c'est un autre comment ? C'est un autre consortium. Ouais. C'est un autre consortium. Donc je sais pas s'il y a des regrets à avoir dans le sens où la passerelle n'était pas forcément. Ouais, je veux te mettre. Ouais, ouais, c'est pas fou. Et du coup, moi, Yannis, je vais te poser une dernière question sur ce petit sujet de début. Le fait de jouer en réserve à Atlanta, ça t'aurait fait jouer à quel niveau, techniquement? Je crois que c'était en PDL, je crois. C'est carrément en dessous de l'USL encore. Ouais, la fameuse D4. Donc, ça m'intéressait la pas fameuse. Forcément. Eh bien, d'accord. Alors, en fait, c'était plutôt quand j'étais en réserve, c'était carrément une saison d'été, quoi. Donc, oui, ça m'intéressait pas du tout. Je sais pas, ça avait vraiment pas trop d'intérêt d'y jouer, quoi. Ouais, voilà. Donc, Michael, toi, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Lorsque tu as rejoint Wilmington, tu vas aussi nous expliquer ce qui s'est passé quand tu as quitté Wilmington, puisque tu n'y es plus. Et tu vas nous dire ce qui s'est passé aussi entre-temps, forcément. Ça va tailler, là. Ouais, ça devrait tailler. Il nous écoute. Par contre, je crois qu'on a un petit problème avec Michael. Petit souci technique. Pas avoir de soucis, alors il s'en va à chaque fois. Ah, mais c'est le soccer, on est maudit, comme on le dit souvent. Je crois qu'on a un petit souci, Michael. Est-ce que tu nous entends? Ça dérange. Ça va. Ouais, là, donc là, ça va être un petit peu problématique si Michael ne nous entend pas. Ah ben, il a été à nouveau déconnecté. Donc, imprévu, hein, les imprévus arrivent forcément. Romain, est-ce que tu peux voir ça peut-être en privé avec Michael pour, D'accord. Ok. Donc, peut-être on y reviendra après
pour Michael, puisque j'ai un sujet sur la NCAA auquel Yanis pourra répondre. Donc Yanis, toi, tu vas rejoindre les Gamecocks à South Carolina. Et une fois que tu auras fini ta formation, si tu es drafté à MLS ou si tu n'es pas drafté à MLS, est-ce que tu comptes continuer le foot si tu n'es pas drafté? S'il se trouve que oui, tu l'es, est-ce que tu es prêt à jouer en USL? Est-ce que tu penses que jouer dans un championnat comme ça de développement pendant un an ou deux pourra t'aider à faire la transition NCAA professionnalisme? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si je vais en NCAA, il va falloir que je me fasse drafter vraiment dès mes trois premières années, en fait. Je vais pas compter sur mon année de senior, parce que, en fait, j'ai déjà 20 ans, et à partir de 24 ans, c'est assez rare de voir des joueurs qui sont draftés. Donc, l'idéal serait vraiment de me faire drafter dès mes deux premières années. Et carrément d'essayer d'obtenir un contrat génération Adidas pour pouvoir assurer mes arrières après au niveau des contrats. Mais après, bien sûr, ça me dérangerait pas du tout de me faire drafter, de peut-être pas signer de contrat. Ça arrive hein, souvent en MLS de se faire drafter mais pas de signer. Mais et pourquoi pas rejoindre une équipe du USL, ouais, pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires, c'est pas les mêmes pour un joueur qui sort de la fac, qui pourra un international, comme par exemple comme Michael tout à l'heure qui nous disait, qui nous a expliqué un peu l'histoire de son salaire, bah c'est pas du tout la même chose avec les joueurs qui sortent de fac. Les salaires, ils sont bien plus élevés pour un joueur de fac qui sort de fac et qui va jouer en USL. Et du coup, Romain et Vincent, est-ce que vous avez une question avant que j'enchaîne? Non, en fait, j'allais en poser une justement, mais c'était sur l'âge et tu as répondu parce que c'est vrai que. C'est vrai que ouais, si tu me dis que tu as déjà 20 ans, forcément, faut se dépêcher. Enfin, en plus, si tu veux être drafté avant la fin de ton cursus, il faut choper le Génération Adidas. Je crois que tu peux pas faire autrement, si je raconte pas de conneries. C'est possible. Après, ce sont des règlements assez compliqués dans les facs. Donc, du moins dans la transition fac-MLS, on a un fonctionnement qui est bien américain, bien compliqué. C'est pas ce qu'on connaît ailleurs. Donc il doit y avoir une histoire avec cette génération Adidas. Et Yanis, toi, est-ce que, comment tu envisagerais une carrière idéale? Est-ce que ce serait une carrière 100% aux États-Unis ou est-ce que tu la verrais ailleurs? Bah dans le cas où je suis actuel, j'aimerais bien carrément ouvrir ma on va dire directement partir aux États-Unis pour pouvoir directement signer mon contrat professionnel là-bas et voilà, commencer ma carrière aux États-Unis. Après, revenir en Europe, je sais que c'est difficile quand on a un contrat américain parce que c'est pas on va dire le contrat le plus regardé en Europe. En fait, ils vont presque préférer les équipes nordiques que les équipes américaines. Tout dépend. Mais ouais, en France, voilà, c'est sûr que là, oui, ils vont voir ça. Par contre, en Angleterre, tu aurais toujours des chances de signer un petit peu en Angleterre, en Écosse, sur ce genre de pays. Les Britanniques sont très friands du championnat américain. Voilà, même en Allemagne, on peut le voir, il y a quand même pas mal de joueurs qui viennent de ces championnats. Donc t'aurais peut-être au Bayern, hein, sinon jamais, mais t'aurais peut-être quelque chance de rejoindre. Mais c'est vrai qu'en France, à moins qu'on évolue vraiment beaucoup, Il y aurait des difficultés. Mais à moins qu'on joue au FC Nantes, en fait, tout simplement. Et qu'on s'appelle Alejandro. Par exemple. Mais encore, mais, tu vois, c'est un peu con ce qu'il joue en Norvège avant. Donc. Ouais, et puis en Écosse aussi. Suède. Donc, à faire, hein. Ah oui, en Suède. Suède. Ah oui, attention, Romain. En Suède. Tu connais même pas. Helsingborg en Norvège, bordel. C'est... Non, bah, c'est... Excuse-moi. Il y a un peu de géo qui vient de se tuer là. Tu vois, c'est fini, voilà, t'es plus géographe, Romain. Il n'avait plus de contrat, je suis désolé. Dans ta préférence, tu souhaiterais davantage vraiment faire une carrière 100% Europe, mais vraiment, quand tu penses à la carrière idéale pour toi, tu préfères faire une carrière 100% aux États-Unis ou est-ce que vraiment jouer en Europe un jour, ça t'intéresse énormément? Ah, bien sûr, ça m'intéresse de revenir en Europe un jour. Mais pour l'instant, ouais, je me consacre. On va dire que si je pars vraiment à partir du mois d'août, je suis aux États-Unis, bah, ma priorité, ça va être les États-Unis et la MLS.
Ok, donc du coup, tu peux nous expliquer comment ça va se passer une saison de NCAA, la condition, la condition, comment dire, les conditions de vie d'un joueur qui arrive un petit, en plus de l'étranger. Comment tu vas vivre entre guillemets correctement à côté de la NCAA, de la fac, tout ça. Dis-nous tout sur la fac. Alors déjà pour commencer, déjà faut savoir pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, donc quand on joue en fac, on n'est pas payé. Donc on n'a pas de salaire, on n'a pas d'argent, on n'a pas de prime, on n'a rien du tout. Si on accepte un cadeau ou une prime, on est banni du championnat universitaire. Ensuite, donc moi pour ma part, j'ai obtenu une bourse donc qui est dite complète en fait. C'est une bourse à 100% qui va couvrir tout ce qui est frais de scolarité, repas. J'ai un appartement aussi. Voilà, bon, c'est on va dire le top pour un joueur international qui vient aux États-Unis. Et donc voilà, ouais, j'ai ma première année, donc je vais être un freshman, donc en première année, je vais être dans un appartement avec d'autres premières années avec moi. Donc je vais à la fac aussi, c'est pour valider un diplôme. On ne sait jamais ce qui se passe, donc ça va être vraiment pour valider un diplôme. Et bien sûr, qui dit diplôme dit note. Et si on n'a pas de bonnes notes en cours, la bourse, elle saute. Donc ils nous Qu'est-ce suppriment que la bourse. t'appelles des bonnes notes? C'est en fait, faut. Ben là-bas aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France, parce que c'est pas pareil qu'en Europe, parce que là-bas, ils sont basés, je pense que vous le savez, ils sont basés sur le GPA. Ouais. Et voilà, faut avoir, je crois, faut avoir 3,5 GPA par semestre. Donc, il faut le Par garder, semestre, ouais, d'accord. par semestre. Ouais. Et D'accord. c'est quoi le GPA, histoire de Bah, savoir? c'est une note, en fait, comme une moyenne générale qui est calculée. Après, c'est un calcul difficile. C'est un calcul un peu Il avec y a des différents. coefficients et tout, ça n'a rien à voir Voilà, avec nos notes à nous, c'est d'accord. pourcentage, coefficient, c'est assez incroyable. Un sacré Enfin merdier, bien sûr, hein, bon. à Ouais, c'est ça. l'américaine. Toujours simple, toujours simple. Toujours simple, les États-Unis, tu vois, quoi. Toujours. Hein, Eh bien, d'accord. Vincent, est-ce que tu as une question à poser à Yanis par rapport à la NCA, au fonctionnement Alors, non, j'avais un. Comment? Pour NCA, j'avais une réflexion globale. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a quelques mois, peut-être même quelques semaines, mais la Fédération américaine de soccer a annoncé qu'il y aurait justement un partenariat avec la NCA pour rallonger les saisons, parce que c'est vrai que c'est l'un des gros. C'est un des gros points noirs hein, de la saison de soccer aux États-Unis, enfin de college universel, de college soccer, c'est que la Oui. saison elle est sur 3 mois, donc c'est assez difficile. 4 mois, Yanis nous disait, avec 25 matchs à peu près. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est Et justement. du début août à mi-décembre. Ouais, donc ça. Pour Si t'es faire. Ouais, qualifié en playoff. voilà, c'est comme j'ai dit, si c'était qualifié, c'est pour jouer après les matchs de conférence et les matchs du tournoi NCAA. Sinon, c'est du mois d'août au mois à. Du début août à mi-novembre, ça c'est la saison régulière. D'accord, donc ça fait quand même Ce une qui est grosse rien du tout. concentration de matchs pour. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir en France, même au niveau professionnel, où c'est un match par semaine, parfois deux maximum. Et puis voilà, là, ça te ferait combien de matchs par semaine du coup? Deux, trois matchs, je présume? Ouais, deux matchs par. Bon, peut-être pas deux matchs par semaine, ça dépend, mais ouais, il y aura un match par semaine, la semaine d'après, peut-être deux matchs. Il n'y aurait pas de trois matchs, c'est impossible. C'est D'accord, trois trop. matchs. Il faut respirer un petit Oui, peu. bah ouais. Enfin, ce serait chaud, à moins qu'il y ait un énorme roster, mais. Non, non, c'est impossible. Donc, on va parler. Vas-y, Romain. Non, ouais, juste sur le côté pratique, du coup, t'auras les cours toute la semaine et toujours le week-end? Non, c'est. Il y a des matchs qui sont planifiés dans la semaine aussi, D'accord. comme en week-end. Donc, ouais. C'est Donc, pour toi, ça qu'on a le. en tant Ouais, que je peux. membre de l'équipe, en fait, t'as les cours un peu aménagés, entre guillemets, quoi, c'est. Bah, c'est pas vraiment aménagé parce que bon, j'ai les mêmes cours que tout le monde. Après, la différence, c'est que moi, je vais pas avoir cours l'après-midi, et alors que les autres, ils peuvent avoir cours l'après-midi. Moi, jamais cours l'après-midi. Et après, D'accord. les professeurs, je pense qu'ils sont un peu. J'aurais des cours, par exemple, quand je me déplace, il y a des cours que je pourrais pas suivre. Donc moi, j'aurais un programme sur mon ordinateur qui fait que je pourrais suivre les cours à l'extérieur directement, Est mis en en œuvre en direct, fait. quoi, sur Internet. D'accord, ok. Voilà, c'est pas. Je vais pas vous mentir, la Caroline du Sud, c'est une des grosses universités américaines, donc voilà, sur ce T'as un campus, quoi. aménagement qui fait en sorte que tout se passe bien, quoi. Je veux dire, toutes Voilà, les ouais, universités ont pas cette chance-là, quoi. l'athlète est roi, j'ai envie de dire. Ouais.
Donc, on va passer à Michael, puisqu'il y a eu ces quelques soucis techniques. Est-ce que tu nous entends, Michael? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je vous entends parfaitement bien. Et on t'entend encore mieux que tout à l'heure. Donc, on croise les doigts, on espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci. Donc, maintenant, Michael, toi, tu as joué donc, pendant 2 ans à Wilmington Hammerheads, si je ne me Ouais, trompe c'est pas. juste, c'est bon. Et ben, maintenant, tu n'y joues plus, malheureusement. Donc, puisque l'USL, c'est un USL et Wilmington, puisque l'USL donc, est un championnat qui est parfois très utile, même souvent très utile, à faire une transition pour les jeunes joueurs qui veulent connaître un contrat professionnel aux États-Unis, un contrat de soccer. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience hein, avec Wilmington. Tu vas nous parler donc du début, de la fin aussi, mais surtout du pendant. Mais déjà, comment se passe une arrivée en USL pour un jeune joueur étranger comme toi qui est brésilo-belge? Moi, pour perso, ça s'est passé très bien. Les joueurs m'ont très bien accueilli. Le staff aussi. Le niveau, je ne le connaissais pas du tout parce que moi, j'ai joué en Europe, en Belgique. C'était pas pareil. Je l'ai vu directement dès les premiers entraînements, je veux dire. Et puis quand j'ai commencé même les matchs amicaux, on faisait beaucoup de matchs amicaux contre les collèges en Caroline du Nord. Et moi, je me disais, ça va être des matchs faciles, quoi. Et au fait, pas du tout. Il y en a qui avaient déjà, c'était peut-être leur première ou seconde année de collège, et ils étaient même meilleurs que certains joueurs dans mon équipe. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que avec ces joueurs de NCA, il y en avait quand même des meilleurs Oui, mais que... franchement, j'étais étonné parce que j'ai vu les joueurs, j'ai dit punaise, s'ils sont seulement en collège, ils sont encore à l'école, quoi. Oui, Quand ils vont être techniquement, prof, oui. ils ont des formations déjà professionnelles, je pense, supérieures au niveau USL, moi, je pense. D'accord. Ah oui, donc là, tu nous apprends quelque chose. C'est quelque chose que je ne savais pas, le fait qu'il y ait quand même des équipes NCAA qui soient meilleures que des équipes USL. Ah, ça m'étonne qu'à moitié, parce que, enfin, Mickaël, ouais, Mickaël, tu vas peut-être pouvoir me contredire ou aller dans mon sens, mais quand tu vois, enfin moi j'ai déjà suivi certains clubs du USL, les infrastructures et le mode de fonctionnement de certains clubs, c'est ouais, c'est complètement bidon, c'est complètement amateur quoi. Ah oui, c'est bidon. La première saison en USL, on jouait contre une équipe Barracuda Antigua. Ah, Vincent, Ouais, je oui, connais. On en ça parlait. c'est folklorique ça. L'équipe qui a fait On en zéro parlait. victoire cette saison. Zéro victoire. Bon, ben, vous voyez, c'est des cadeaux, hein, forcément. Et Ah, mais ça, je crois c'est. qu'il y a en plus. Mais je crois, genre, j'avais vu l'autre fois les stats, c'est genre ils mettent 4 buts sur les 26 matchs, quoi. C'est Ah ouais, impressionnant. il marque pas et il joue jamais à domicile en plus. La première saison, ils ont jamais joué à domicile. Ah, mais là, c'est fini, je crois. Ouais, il Non, s'est fait n'existe plus. d'ailleurs. N'existe plus. Et du coup, tu avais joué face à cette équipe? Oui, Antigua, on avait gagné 5 à 1 et Vous avez 4-0, pris je un crois. but? Ouais, on a Vous avez pris un pris un but but quand face à même. Antigua? On était Ah mené en bon? C'est un plus. but contre 5 ans. Ah, vous étiez mené, donc On vous était avez mené, ouais. vous avez remonté 5. Bon, ben bah alors là, félicitations. Alors, qui était le gardien à cette époque-là de Wilmington? C'était Philippe Tuttle. Philippe Tuttle. Alors, je le note dans un coin et Philippe Tuttle, il va Philippe, si entendre tu parler nous du quiz. écoutes. Si tu nous Ouais, écoutes. exact. Et Il donc, du coup. écoute Soccer France, d'ailleurs. Forcément, oui, forcément. Et du coup, Michael, une fois que tu étais à Wilmington, comment ça s'est passé avec l'équipe? Les matchs, ça donnait quoi niveau classement, niveau résultat Et ouais, les 5 premiers matchs, on n'était pas bien. On avait perdu les 4 ou 5 premiers matchs de la saison. Et Oui. je sais pas ce qui s'est passé. On avait un très bon groupe, on avait un très très bon groupe. Techniquement, c'était fort, physiquement aussi. Mais le problème, c'était l'entraîneur, en fait. L'entraîneur, il te bouffait toute ton énergie, toute ta confiance. Qui En était une cet entraîneur? frappe, pardon? C'était qui l'entraîneur, C'était Michael? David Irving. David Irving, Un d'accord. Anglais, il était là, je crois qu'il a entraîné pendant ouais, 20, 15, 19 ans peut-être, là-bas à Wilmington. Ah oui, d'accord. Ouais, depuis 98, il était là-bas, je pense. Hein. Ah ouais, donc ça fait quand même un ancien. Et donc comment ça, il bouffait ta confiance, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire que bah, tu vas rater une passe qui arrive de temps en temps en match ou rater un contrôle, il va te crier dessus, mais il va jurer en anglais, il va dire que tu es nul. Mais dans le stade, il dit devant tes coéquipiers
Et il y a aussi tous les supporters qui sont assis juste au-dessus du banc. Ils entendent tout. Et il va t'amoindrir devant tout le groupe. Il s'en foutait, en fait. C'était vraiment dur à passer au-dessus. Et du coup, il y a eu déjà des problèmes entre toi et ce coach, ou même entre un autre joueur et toi, pas toi, mais entre un autre joueur et Irvine. Ouais, c'était très dur. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je me dispute souvent parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Je supporte pas l'injustice. Et tu as bien raison. Donc lui, il était vraiment injuste. Il y avait des trucs. Comme il était, enfin, je vais pas dire qu'il était âgé. Il a peut-être Alzheimer, je sais pas. Mais je veux dire, alors... que parfois il va avoir une action de jeu. Oui. Il va dire ouais, Mickaël, c'est toi qui l'as fait, alors que c'était pas moi, c'était l'autre attaquant. Et il va me crier dessus comme si il était sûr à 100% que c'était moi qui avais raté la passe, alors que c'était pas moi du tout. Et à ce niveau-là, comment ça se fait qu'il y ait des coachs comme ça qui sont en fonction, étant donné que ça reste quand même une ligue professionnelle, hein. Oui, c'est une ligue professionnelle, mais on le sait, comme partout, il y a beaucoup de copinage, au fait. C'est vrai. Et le président était le meilleur ami de l'entraîneur, donc voilà ce qui explique tout. Ben tiens, forcément. Tant qu'à faire, ouais. autant qu'il y ait une magouille dans l'histoire. Romain, Vincent, est-ce que vous avez des questions pour Mickaël par rapport à tout ça, tout ce qu'il nous a parlé jusqu'ici? Moi, j'avais une question, mais c'était au niveau du développement de l'USL. En fait, sur ces dernières années, l'USL, c'était un petit peu la ligue laissée pour compte, entre guillemets. On se rend compte que cette année, avec l'affiliation par rapport au club de MLS, il y a un vrai changement. Alors Mickaël, on espère que tu connaîtras ça. Si je ne me trompe pas, Wilmington sera affilié avec le New York City FC. Oui, c'est ça. Voilà. T'as vu des changements ou pas? Pour cette saison, j'ai pas trop. Ouais, c'est ça. Quand j'y jouais l'année dernière, on était affilié à Toronto FC, donc on avait 4-5 joueurs jeunes joueurs prêtés de Toronto, dont Jordan Hamilton, Manuel Aparicio et Julian Roberts, qui était le gardien titulaire. D'accord. Et c'est un partenariat qui s'est très très bien passé, en tout cas pour nous. Et c'était toujours sous les ordres de ce fameux coach anglais, Sedine. Oui, c'est ça. Exact. Mais il est parti en même temps que moi, en fait. Donc, Ah, il est à Tulsa aujourd'hui. Il est au Roughneck de Tulsa? Ouais, toujours en USL. Ouais, c'est ça. Donc ce mec coach encore, c'est quand même encore, ouais. Au même niveau en plus. Au même niveau, c'est toujours en USL. Peut-être que le président de Tulsa a changé. C'est ouais, ça. Je ne sais pas dans quoi ils se sont embarqués, franchement, je vous le dis. C'est assez impressionnant quand même tout ça. Et donc Mickaël, tu as fini donc par quitter cette équipe de Wilmington. Pour quelles raisons? Dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Tu nous dis tout. Tu peux tout nous dire. Je vous dis tout. Je ne vous cache rien du tout. C'est bon. Je vais vous expliquer, c'était un match, on jouait un match contre Orlando FC, Orlando City. L'équipe qui est maintenant MLS. Hein, MLS, oui. On jouait aux infrastructures de Disney. Ah oui, je me suis pris la tête pendant le match avec mon capitaine, mais c'était parce que j'étais pas revenu défendre sur une action, donc c'était rien, c'était un détail, quoi, et... L'entraîneur, sur ça, il décide de me sortir. Alors que j'étais bien dans le match, je faisais des bonnes percées offensives, on avait quelques occasions. 55e minute, il décide de me sortir. Donc, je suis déçu, évidemment, parce que j'étais pas fatigué du tout. D'accord, ouais. Il fait rentrer un joueur plus défensif. Moi, à la base, je suis un ailier. Il fait rentrer un joueur plus défensif alors qu'on perdait déjà 2-0. Très bien. Très bon choix tactique. Très bien, oui. Je sors un peu énervé, évidemment. Je vais pousser la main de mon entraîneur. Il me serre pas la main. Et il me nie carrément. Ah oui. Donc, je comprends pas. Déjà, je voulais avoir une explication pourquoi il me faisait sortir. Il a pas voulu me répondre. Il m'a crié dessus devant tout le monde. J'ai pas compris. Il m'a envoyé au vestiaire. Donc moi, je me suis pas laissé faire. Je me suis énervé. Je voulais absolument avoir une explication. Il m'a renvoyé au vestiaire alors que le match n'était même pas terminé. Donc, on rentre à Wilmington, on perd 2-0 ce match. Le lundi après-midi, après l'entraînement, je suis convoqué au bureau du directeur général. Oui. Qui me dit que mon comportement est inacceptable,
comme les matchs sont filmés, ça passe sur YouTube, donc il y a plusieurs personnes, notamment les fans de Wilmington qui n'ont pas pu faire le déplacement, ils regardent les matchs sur YouTube, que c'est un comportement inaccessible qui ne tolérerait pas ça sous ses ordres à Wilmington. Donc sur ce fait de match-là, je suis suspendu, le club me suspend 2 matchs. C'est hallucinant. Là j'ai l'impression d'halluciner. J'étais suspendu 2 matchs pour ça. Moi, ouais. Évidemment, comme j'ai été victime d'injustice, j'ai pas voulu m'excuser auprès du coach parce que je trouvais pas que c'était à moi de le faire. Puisque c'est moi, je l'avais manqué en aucunement de respect. J'étais déçu. J'ai quand même été lui serrer la main. Bon, ouais. Je suis suspendu les 2 matchs. On joue les 2 matchs. On perd les 2 matchs d'ailleurs parce que, pas parce que je suis pas là, mais. On voyait qu'il manquait quelque chose devant, un petit peu de magie. Mais surtout si c'était un joueur plus défensif qui joue à ta place. Ah oui, forcément. Forcément, ouais. Et donc, du coup, après, ça se passe comment? Tu décides de quitter le club par rapport à ça après les 2 matchs, je ne me suis toujours pas excusé auprès de l'entraîneur. Donc, les 2 matchs passent et je suis convoqué un mardi, de nouveau au bureau du directeur. Et il me dit que, voilà, il résilie mon contrat, c'est fini, quoi. D'accord. Donc et ça toi, comment tu réagis? Moi, je réagis. Je réalise pas trop en fait. Je me dis que ils font vraiment une grave erreur parce que on ne vire pas quelqu'un pour si peu. Parce que sur les deux années que j'étais là, j'ai manqué de respect à aucun joueur de mon équipe. J'ai jamais manqué de respect à aucun supporter, aucun membre du staff, on m'appelait le Frenchie, quoi. Voilà, j'étais le gars cool, toujours avec le sourire, la banane, la pêche. Donc, ouais. Ça m'a mis un coup quand même, c'était dur, quoi. C'est-à-dire que l'aventure américaine, ça se termine comme ça. Les fans étaient tristes, j'étais triste, voilà. Et tes coéquipiers ont réagi comment par rapport à ça? J'ai reçu des messages comme quoi ils comprenaient pas, quoi, que c'était pas normal, mais. Bon, il n'y avait jamais personne qui a les couilles, on va dire, si je peux me dire comme ça, qui a les couilles de... Tu peux. qui a les couilles de parler au nom du groupe et de dire que c'est pas normal, quoi. Parce qu'après ça, ils m'ont quand même reproché que j'étais un fouteur de merde dans l'équipe, que je parlais mal à tout le monde, que... Dis ça, les joueurs, désolé de te couper, mais... Non, c'est-à-dire le staff, donc le coach et le directeur général. Ça, ils ont dit que j'étais quelqu'un d'impoli. Ouais, ils m'ont vraiment rabaissé, même dans la presse locale, je vais dire, ça passait à la TV, la petite chaîne locale de Wilmington, ils disaient qu'ils m'avaient viré pour comportement et tout ça, alors que c'est pas vrai. Alors qu'ils t'ont viré, parce que ton coach a fait le con, quoi. Oui, j'aurais peut-être dû m'excuser aussi, parce que voilà, je suis très rancunier, mais... Mais après, il y a quand même une certaine histoire de dignité. Ouais, je disais, mes coéquipiers disaient, mais excuse-toi. Je dis non, si je dois partir, je pars la tête haute, je ne vais pas me rabaisser à plus bas que ça. Parce que je savais que le coach était, bon, j'ai peut-être utilisé des termes un peu rugueux, mais le coach était une merde, quoi. Ben oui, de la façon dont tu nous l'as décrit, en tout cas, on veut bien te croire, parce que ça n'avait pas l'air d'être un gars bien... Ah non, c'était pas un gars bien du tout, moi. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, toutes les anecdotes qui se sont passées, mais... La plus croustillante, vas-y. Ouais, on avait une kiné, c'était une femme, et elle était lesbienne, quoi. Et elle arrivait dans le vestiaire le matin, et devant tout le monde, dirait « Ah, la brouteuse de Minou est là. » Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que ça lance un froid direct. Il n'y a personne qui rigolait, évidemment, et lui, ça le faisait rire. Ah ouais, quand même. Quoi. Ouais, non, c'était typiquement l'anglais taverne qui est là. Ah ouais, exact. Ah ouais, putain. Bah écoute, c'était pas évident tous les jours, quoi. Il fallait mordre sur sa chic, et il insistait, il me rabaissait beaucoup devant l'équipe. Mais il y avait pas que moi, il y avait deux trois têtes de turc comme ça dans l'équipe. C'est toujours les mêmes d'ailleurs. Toujours, ouais. Bravo. Tu peux me redire son nom juste vite fait que j'oublie pas. David Irving, d'accord. Ok, j'essaierai de voir qui est ce. Ce... Non, j'appellerai pas. Monsieur Irving aura... Même pas monsieur. Il aura un droit de réponse sur Soccer France. Hein. Exact, j'attends que ça. Non, je plaisante. C'est aberrant, c'est incroyable. On arrive à un point où c'est limite de l'amateurisme, quoi. Oui, c'est ça.
Tout le monde, mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs joueurs qui, la première saison avec qui j'ai joué, ils ne voulaient plus retourner dans ce club pour la deuxième année parce que à cause du coach. D'accord. Ouais, moi je connais quelqu'un là-bas en plus. Ça, Yanis, tu connais ? Je connais Michael Calderon. Ah ouais, bah, je le connais, ouais. Ouais, je le connais aussi. Il était viré en même temps que moi, ouais. Il était viré en même temps que moi. Entre Michael. En fait, la tête de Turc, c'était les Michael. Ouais. En plus, il est arrivé blessé, au fait, c'était différent pour lui. Ouais. Et du coup, deux petites questions avant de poursuivre, parce qu'on est quand même à quelques minutes d'antenne déjà. Qui était dans l'équipe de Wilmington avec qui tu as joué, qui était vraiment extrêmement, enfin, qui était au-dessus du lot, et contre qui tu as joué, qui était fort? Par exemple, est-ce que quand tu as joué contre Orlando, tu as vu un Kevin Molino en feu, par exemple? Ah ouais, c'était vraiment la bête noire de l'USL. Hein. À tout moment, il faisait la différence dans l'équipe. D'accord. Meilleur buteur, meilleur passeur. Ouais, il était très très fort. Il était très et de ton avis, est-ce qu'il a le niveau pour jouer en MLS en prochain pour s'imposer? Moi, je pense qu'il a le niveau pour jouer en MLS, oui. Après, c'est l'appréciation du coach s'il va le faire jouer. Parce que franchement, l'USL, il était au-dessus. Et moi, j'ai fait quelques essais en NESL et je ne trouvais pas que le niveau entre l'USL et NESL avait une grande différence. D'accord. Et dans la mesure où tu étais resté à Wilmington, tu penses qu'aujourd'hui, t'aurais pu postuler une place à MLS ou du moins un bon club de NASL? Oui, un bon club de NASL, c'est sûr. MLS, je ne sais pas. La première saison, quand je l'ai terminé à Wilmington, j'ai été contacté par les Philadelphia Unions. Ouais. J'ai eu le droit de faire 10 jours là-bas. Et, bon, ils m'ont pas signé, mais c'était quand même une belle expérience, quoi. Donc, tu as pu côtoyer d'autres francophones. Ouais, j'ai pu côtoyer Sébastien Letout. Sébastien Letout et Antoine Openo et Yann Ekra. Okay. Ah oui, Yann Ekra, oui. Et juste une petite question comme ça, parce que ça, c'est une petite question personnelle. Alors, je parle à mon nom, Lucas, voilà, pas moi, pas au nom de Soccer France. Sébastien Letout, comment il est avec les autres joueurs? Parce que alors, je ne vais pas te cacher, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres journalistes, beaucoup d'autres, même autres joueurs ou quoi. C'est un joueur à. Est-ce qu'il a le melon ou pas? Voilà la question. Ouais, franchement, le peu que j'ai vu, je dirais qu'il a le melon quand même. Ouais. D'accord. Il a le melon parce que quand t'es francophone dans un pays comme les États-Unis, c'est vrai que. Moi, avec Antoine Opono, on s'est directement bien entendu. Et il a vu Sébastien, je me souviens, on était occupé de faire la muscu, il a vu Sébastien, il a dit « Hey, Seba, il y a un autre Français ici. » Il a dit « Ah ouais, je m'en fous. » Et il est parti. Oui. Il a même pas fait une discussion, même pas 5 minutes. Il a dit « Ouais, je m'en fous. » Il est parti. Donc là, c'est même plus avoir le melon, c'est être con. Ouais, il était un peu… Ouais, voilà. Donc moi, les gens comme ça, ça peut être n'importe qui, moi. Moment où il répond comme ça, c'est bon, je ne veux plus rien savoir. Tu as bien raison. Ce n'est pas la première fois, c'est bizarrement, ce n'est pas du tout la première fois que j'entends ça, notamment avec le président des supporters de Seattle. On sait que Letout a pas mal joué à Seattle, notamment en NSL. Ouais, et pas du tout proche des supporters, c'était un des seuls à pas du tout signer d'autographe alors qu'il était en NSL, si tu veux, donc rien de bien... Enfin, tu vois ce que je veux dire, pas de... Exact. T'es pas une superstar, entre guillemets, comme aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, et pas du tout proche, pas de truc, enfin, je veux dire, l'envers d'autres joueurs de Seattle à l'époque, quoi. Mais par exemple, c'est un joueur qui est incontactable, je veux dire, même il y a des gros journalistes que je connais qui sont chez Canal, chez l'équipe, ils me demandent parfois mais je ne peux pas leur dire, il est incontactable ce joueur-là, enfin bon, voilà, on n'est pas ici pour parler de Sébastien Letout, parce que je ne porte pas forcément une grande affection, je vois que personne ici ne le fait. De même. Bah, bon, quand on connaît le joueur, mais pas plus. C'est ça, voilà, mais pas trop l'homme. Alors, chacun son tour, s'il vous plaît. Oui, alors, j'avais une question justement à Michael. Justement, on a évoqué le partenariat, la filiation entre l'USL et la MLS. Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi, en fait? Moi, je trouve que c'est génial. C'est un bon tremplin pour les petits, je vais traduire en guillemets, les petits joueurs qui jouent en USL. C'est un bon tremplin. Ça leur permet de se faire voir plus facilement par le club avec lequel ils ont le partenariat. D'accord.
C'est simple, quoi. Parce qu'on a beaucoup de descentes du club de MLS, mais il y avait Samuel Ochoa avec qui j'ai joué la saison dernière, qui a quand même pu faire une semaine et demie là-bas à Toronto. Et ça a été... Samuel Ochoa, c'est pas celui qui avait déjà joué à Seattle, non, je confonds. Si, c'est lui, oui. D'accord. Bon, alors messieurs, nous allons passer à la prochaine partie. Là, on va passer carrément à un autre sujet, puis ce sera la question de l'abonné. Donc, c'est un rapport au soccer, forcément, pas forcément un rapport avec l'USL ou l'NCAA. Mais vous allez pouvoir y répondre aussi, Yanis et Michael, puisque comme nous, vous êtes des Européens. Et est-ce que vous pensez, c'est une question de l'abonné Oni Cabron, sur Facebook, on lui fait coucou au passage. Est-ce que vous pensez, vous, que certains joueurs internationaux, comme vous, à un étage, on va dire, à un étage de jeunes, et des joueurs internationaux à un étage, enfin, au très haut niveau, si vous pensez qu'il y a toujours une hésitation de venir aux États-Unis, justement, parce que vous n'aurez peut-être pas vos chances en Europe, étant donné que, ou même avec les sélections nationales au très haut niveau, justement, parce que vous jouez aux États-Unis, qu'on voit ça un petit peu comme une ligue exotique en Europe. Yanis, Michael, qui veut répondre en premier? Peut-être Michael, puisque tu joues au niveau professionnel. Est-ce que tu n'as pas été réticent un petit peu au début à aller aux États-Unis, ou est-ce que c'était vraiment une envie cache? Non, moi, j'étais pas réticent du tout. J'ai dit, ça ne marche pas en Europe, je vais essayer quelque part d'autre. Et je me suis dit, pourquoi pas les États-Unis? Après, c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, mais parce que je suis très proche de ma famille, je parlais pas très bien anglais quand je suis arrivé là-bas, mais je me suis dit, c'est bon, si je veux faire une carrière professionnelle, il faut faire un tas de sacrifices, et je les ai faits. Donc ça dépend de chacun, en fait. Il y a des personnes qui vont pas vouloir y aller parce que il y a maman, il y a papa, il y a les copains, il y a tout. Et il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est pas grave ça, je vais vivre mon rêve à fond et après on verra. D'accord. Et toi, Yanis, quand tu as lu les propositions de la fac, les propositions à Atlanta, est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu t'es dit, ouais, bof, ou est-ce que tu t'es dit, vraiment, allez, on y va à fond et puis en avant? Moi, j'ai plus hésité, J'ai plus hésité parce que. En fait, je connaissais pas vraiment le monde universitaire américain. Pour moi, c'était vraiment comme la France. T'allais là-bas pour l'école, quoi. Et tu joues au foot, ça changeait rien du tout. Mais au fil du temps, j'ai appris. Je me suis renseigné sur tout ça. Donc, je suis rentré en contact aussi avec des joueurs qui jouent déjà là-bas. Donc, là, je suis rentré en contact aussi avec Pierre Omanga. Je sais pas si vous connaissez, qui joue à Rochester en USL. Donc, lui qui a été drafté aussi, qui a été drafté par les New England. D'accord. Et donc après qui a été prêté, je crois, à Rochester, si je ne me trompe pas. Oui, il est prêté à Rochester. Ouais, il est prêté. Enfin, je crois pas qu'il est prêté, mais il explique qu'il est blessé et qu'il peut. En fait, j'ai pas vraiment compris. Je crois qu'il fait sa récup à Rochester, puisqu'en général, c'est ce que font les joueurs comme ça de New England qui sont affiliés à Rochester. Donc il doit faire sa récup s'il est blessé là-bas. Ouais, voilà, sûrement. Et voilà, donc après, voilà, on m'a bien expliqué le projet. J'ai discuté avec mes parents parce que c'est important quand je suis assez jeune. Donc voilà, et bon, bah, petit à petit, ça s'est fait. Petit à petit, je suis rentré dans le projet un peu plus. Et voilà, aujourd'hui bah, je suis content d'avoir fini avec la Caroline du Sud. Je suis content, je vais découvrir un nouveau championnat. Je vais découvrir des choses que je n'ai pas vues auparavant en Europe. Je vais découvrir un nouveau style de jeu aussi. Parce que je sais que les Américains, c'est beaucoup basé sur le physique. Donc, on va essayer d'apporter une petite touche technique. Tu feras la diff avec ça. Ça sera une très bonne chose côté technique. Parce que là-bas, enfin, ça reste quand même pour la plupart des joueurs assez bourrin. Il y a 2-3 joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent. Mais je pense que ta touche technique va faire du bien toujours dans ta carrière. Tu seras un petit peu. Enfin, du moins, si tu décides de rester aux États-Unis, c'est un truc qui va te. Bien t'aider d'avoir ce technique là. Ouais, bien sûr, mais je pars du fait que si je pars de l'Europe, c'est vraiment pour réussir aux États-Unis. Donc parce que si je vais aux États-Unis, on sait tous qu'un Américain qui a ton niveau, il passera avant toi. Donc voilà, faut donner tout ce que j'ai et voilà, essayer de faire ce que je peux pour essayer d'atteindre le maximum
le but, quoi, le but de tout joueur qui part d'Europe pour aller aux États-Unis. Après, il y a des joueurs qui partent aussi aux États-Unis pour plus valider un diplôme que pour jouer. Mais moi, je le dis clairement au coach, voilà, je vais plus pour le football que pour les études. Je le dis, et si on me propose un contrat tôt dans mon cursus scolaire, ben, j'hésiterai pas à partir. Et ça, je leur ai expliqué deux, trois fois déjà. Mais tu as raison, si ton but, c'est le professionnalisme, c'est tout à fait normal. Romain, Vincent, vous, par contre, là, on va parler plus à niveau MLS. Est-ce que vous pensez que les joueurs internationaux, donc c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, comme Jovinko cette année, c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là sont eux réticents à l'idée de venir à MLS parce qu'ils auraient des difficultés par la suite avec à être à nouveau sélectionnés en sélection et ensuite, est-ce qu'ils auraient aussi des difficultés pour revenir en Europe? Alors, je me souviens, c'était une histoire avec Kobe Martins, qui après la saison 2013 avait c'était une rumeur, hein, donc, je ne l'infirme pas, je ne la confirme pas. Obafemi Martins avait déclaré, avait souhaité qu'il souhaitait s'en aller de la MLS parce qu'il se sentait hors circuit, notamment. C'est-à-dire hors circuit dans le sens du fait que les États-Unis, forcément, pas grand monde, pas grand monde s'y intéresse. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais c'est un exemple, je pense. C'est un élément de réflexion. C'est un élément de quoi ? Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas l'Inter, quoi. C'est Seattle. Voilà. Ouais. C'est pas l'Europe. C'est l'Europe. Faut dire que voilà, c'est là où il y a la concentration de joueurs, peut-être un peu trop, si vous voulez mon avis. Et peut-être que ça coupe, Vincent, ton micro. Je sais pas si vous entendez. Ouais. Pareil. Je t'entends pas super bien. Ouais. Merde. Est-ce que tu peux nous répéter ce que tu disais ? Donc, Obafemi Martin qui se disait hors circuit, justement, parce que les recruteurs, les sélectionneurs aussi, regardaient pas forcément ce qui se passait en MLS, parce que c'est pas là où il y a le talent, c'est pas là où il y a le plus de. C'est pas là où le jeu est réputé comme le plus difficile. Je pense que ça doit jouer. Après, je pense pas que Jovinko, par exemple, je pense qu'il a hésité. Après, je pense qu'il a aussi pu voir tout ça avec Antonio Conte. D'ailleurs, il y avait un article sur MLS Soccer là-dessus. Oui. Je pense qu'ils hésitent, si tu veux, mais... Ça coupe, je pense. Ouais. Désolé, Vincent. Hein, désolé. Ouais, puis moi, je n'ai pas tout à fait... j'ai pas l'idée claire, là. Donc... D'accord. Enfin, en tout cas, j'ai compris ce que tu voulais dire par rapport à Martin. Je pense qu'on a tous compris. Il se sentait pas susceptible de revenir. Il se sentait plus star, quoi, en gros, en jouant à MLS. C'est ce qu'il veut dire plus ou moins, quoi. Je pense pas. Romain, toi, une remarque par rapport à ça. Est-ce que tu penses comme Vincent ? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment cette hésitation ? Parce que quand même, Jovinko cette année, par exemple, avait le choix entre Toronto. L'OM ou Monaco, entre autres. Ouais, comprends d'avoir choisi Toronto. Hein. Moi, je comprends aussi d'avoir choisi Toronto. Est-ce que vous pensez maintenant que lorsqu'on joue en Ligue 1, on n'est pas aussi un peu hors circuit ? Quand tu joues en Ligue 1 ? Ouais, quand tu joues en Ligue 1. Comment ça ? Enfin, de jouer en Ligue 1, t'es hors circuit ? Comment dire ? Jovinko joue à la Juventus. Quand vous jouez en Ligue 1, ensuite, ça reste aussi. Enfin, on n'est pas non plus. C'est quand même parmi les gros championnats, celui qui est le moins regardé. C'est ouais, un peu comme si Jovinko partait jouer au Portugal ou en Serbie, quoi. Ça devient à peu près à ce niveau-là maintenant. Ouais, je partage ton avis, mais on pense ça aussi parce qu'on est français et qu'on suit la Ligue 1 tous les jours et qu'on a toujours un regard critique sur là où on est et l'herbe est toujours plus verte ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour les Italiens, la Ligue 1 reste toujours un championnat de référence, quoi. D'accord. C'est beau, non ? C'est très très beau. Mais après, pour en revenir à la MLS, les avis sont en train de changer, clairement, vis-à-vis de ce championnat, mais ça reste toujours un championnat un peu exotique, au même titre que l'Australie, au même titre que le Qatar, même si on sait très bien que pour la plupart des joueurs, financièrement parlant, ça n'a rien à voir avec le Qatar. Maintenant, Jovinko, je mettrai un peu l'exemple, entre guillemets, parce que on a toujours connu le joueur un peu, un peu perturbé. On sait que c'est pas le gars le plus serein du monde, mentalement parlant. Donc voilà.
Le meilleur exemple, c'est Martins ou même Dempsey. Parce que Dempsey avait l'occasion encore de signer, de continuer en Premier League ou en Championship. Après, il est américain, donc forcément, l'exemple peut être contré. Mais je veux dire que pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est Dempsey. Ouais. Et aujourd'hui, la MLS, du fait de son développement, et notamment de son développement par le bas, quand j'entends par le bas, c'est notamment les affiliations par l'USL, on voit que c'est vraiment un pays qui se développe, et pas juste un championnat, pas juste une ligue. Pour moi, c'est voilà. Ça va changer. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec Romain, en tout cas. Et Michael, toi qui es belge, quand tu as vu Laurent Simon qui a signé à l'Impact pour... Lolo Lolo Simon, pour les raisons qu'on connaît, comment tu as réagi et surtout, est-ce que tu penses qu'à l'Impact, il fera vraiment beaucoup de bien? Moi, je suis un très grand fan du Standard de Liège, donc ouais. J'ai un peu déçu qu'il parte. Après, il y a eu des raisons qui ont été citées dans le journal. Mais moi, je pense que pour l'Impact, il pourrait faire quelque chose de très bien là-bas. Je pense que comme Romain a dit, le développement de la MLS, on ne s'en rend pas encore trop compte, mais on a pu déjà le voir à la Coupe du Monde. De toute façon, le parcours qu'ils ont fait, le groupe qu'ils avaient, franchement, c'est en plein boom de développement. Hein. Donc, c'est surtout vis-à-vis du groupe, on se rend compte qu'il y a énormément de joueurs qui jouent encore en MLS. Ça, c'est important. Ouais, c'est ça, on part pas avec 20 joueurs qui jouent en Allemagne, en France ou en Angleterre. C'est ça. On avait dans les États-Unis quand même, on voit quand même que les. Donc c'était les 8e ou les quarts, les Américains 8e, je crois. 8e. Ouais, 8e. Bon, quand la Belgique. Oui, quand la Belgique, en plus, ils sont passés quand même dans rien, les Belges, même s'ils dominaient largement. Mais les États-Unis sortent du groupe de la mort, parce que Portugal, Ghana, Allemagne. C'est surtout vis-à-vis du groupe, ouais. Voilà, il faut sortir de ce groupe totalement fou. Contre l'Allemagne, ils perdent de rien quand même. Je crois que c'est sur une frappe de loin de Müller. Oui, Timo Howard démasqué. Donc, on voit quand même que les joueurs de MLS, bah, finalement, ils sont quand même au niveau des autres. Et puis, on le voit chaque année avec le MLS All-Star Game, où on a tout simplement maintenant les All-Stars de la MLS qui se tapent, désolé du mot, mais ils se tapent les plus grosses équipes européennes. Oui, c'est vrai. Donc, du coup on, par exemple, on le voit l'an dernier, Bradley Wade Phillips qui met quand même une frappe du gauche. Moi, enfin, je la sors tout le temps, celle-là. Non, on me dit que... Il est anglais. Elle est tellement magnifique en plus. Oui, il est anglais certes, mais je veux dire, ça prouve quand même le niveau de la MLS. Non, mais on est d'accord. En plus volé, enfin magnifique. Bon, on va passer aux dernières questions puisqu'on n'aura plus trop le temps. Allez, 5 minutes encore, on va passer. On va répondre rapidement. Donc, ce sont des questions Las Vegas. On avait parlé de Las Vegas à l'époque, mais on va traiter le sujet pareil au hasard aux États-Unis. Donc l'autre fois on avait parlé du nombre maximum d'équipes, de franchises possibles à MLS, on avait parlé de Las Vegas notamment, mais aujourd'hui on va parler d'autre chose. Est-ce que vous pensez qu'un jour, alors c'est une question totalement banale que je vais vous poser, mais vous allez me dire oui, non, pourquoi, en une phrase, il faut que ce soit coupé. Est-ce que vous pensez qu'un jour les clubs de MLS auront le choix d'ajouter plusieurs sponsors sur leur maillot et de choisir un équipementier à eux, ou est-ce que vous pensez que ça va continuer comme les autres ligues américaines où on a sponsor limité, voire inexistant, plus équipementier imposé? Personnellement, j'aimerais bien que ça reste comme ça l'est tout de suite. Alors après, bon, Adidas, je suis pas fan d'Adidas, je préfère... faire Nike, mais ça ce n'est qu'un point de vue personnel. Moi, je préfère Adidas, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux que ça reste comme ça. Mais voilà, ça donne si tu veux, ça donne une identité à la ligue, je trouve. Ouais, c'est ça. Ça donne une uniformité, tu vois. C'est, et puis comme on en avait parlé la dernière fois, il me semble, des sponsors, j'aime bien le fait qu'il n'y ait qu'un sponsor personnellement, parce que ben, voilà, ça fait pas les maillots surchargés qu'on voit parfois en Europe. De l'AS Montsidoran. Dis-toi que j'ai pensé exactement à celui-là. J'ai rien contre ce club, mais leur maillot est juste infâme, quoi, à cause de ça. C'est ça. C'est dommage ça. Parce que à la base ils sont pas dégueux sans les sponsors. Exactement. Mais exactement. Plein de sponsors. Et ce qui est assez marrant, le est pas mal en plus. Mais... C'est le maillot de Clermont qui chaque année est très très beau, mais ils ajoutent un gros sponsor Crédit Mutuel. Et ça ne ressemble plus à rien. En termes de sponsor, moi je trouve que ce qui me dérange, le maillot de Philadelphie, il est génial, mais qu'un sponsor écrit Bimbo, en France ça passe pas, tu vois. Eh oui, ça passe pas. C'est une marque de pain, Bimbo, quand même. Ça a rien c'est comme si nous, tu vois, tu mettrais boulangerie en gros.
Ouais, mais encore boulangerie, ça passe. Mais non, mais là, c'est pareil. Ça, c'est comme si nous, en France, on mettait boîte de nuit. Salope, quoi. Excuse-moi. Voilà, boîte de nuit, salope. Ou... Nabila. Voilà, par exemple, sponsor Nabila. La guiole en dessous. Ça, c'était pour la. Je suis désolé, mais c'était ça. Calianis, vous. Vous voyez ça comment ? Est-ce que vous êtes aussi partisan du fait qu'il n'y ait qu'un seul petit sponsor, voire qu'il n'y en ait pas ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que niveau équipementier, c'est bien qu'on ait Adidas pour tout le monde ? Michael Yannis, qui veut commencer ? Moi perso, je suis un grand fan de Nike, donc j'aurais bien aimé voir des maillots Nike. Mais... Ben voilà ! Romain, toi Nike aussi ? Non, mais moi je suis pour l'uniformité. Par contre, malheureusement, j'ai peur que, avec l'exemple NBA qui va bientôt changer, j'ai peur que la MLS s'emboîte le pas, quoi. C'est-à-dire au niveau des sponsors. Ouais, au niveau des sponsors, c'est-à-dire une multitude des sponsors et puis après le fait que ce soit Nike, Adidas, bon, à la limite, l'uniformité au niveau de l'équipementier, je m'en fous un peu, mais surtout les sponsors, quoi. Ça gâcherait les. Ouais, c'est dommage. C'est, mais bon, j'ai peur qu'on fasse comme la NBA. Ouais, c'est ça, quoi. Ça passe au bout d'un moment. Vraiment, non, mais ouais, qu'au bout d'un moment, on craque. Yannis, peut-être tu as une idée sur ça, est-ce que tu es d'accord avec... Moi j'aime bien commencer là. Actuellement ça réunit la ligue et voilà, tout le monde a la même chose, il n'y a pas d'équipe qui gagne plus d'argent que d'autres et voilà, sur les sponsors comme ça. Moi j'aime bien quoi, j'aime bien le concept qu'ils ont, voilà. La même marque, les mêmes choses. D'accord. Juste pour clôturer, je vais faire le gros footix, mais j'ai acheté un maillot de UCLA, l'équipe de soccer, et ils sont géniaux. Oui, mais il n'y a pas de sponsor, et c'est que Adidas pour tout le monde. De qui ? Je sais pas si Yannis, tu confirmes NCAA, mais de l'université de Los Angeles, de UCLA. Oui. J'ai acheté leur maillot cet été. Je sais, c'est complètement débile. Oui, c'est complètement. J'étais à l'université, dans la boutique, avec ça qui me plaisait. Bon, écoute. Bon, donc je pense que le sujet est clos sur ça. Tu leur as fait leur anecdote. Leur vente annuelle de maillot de soccer. J'étais seul, les mecs me regardaient comme si je suis français. Ah, t'es français, c'est bon, c'est pourquoi t'aimes le soccer. Voilà, Footix. Ouh. Non, mais ça va, t'as de la chance. UCLA, ils ont une grosse. Ils ont de l'impact quand même dans leur sur le football. Non, bah, j'étais surpris. Attends, j'étais surpris de l'impact de UCLA dans la ville. sur la ville, quoi. Il n'y a pas que les Galaxies là-bas. La deuxième équipe, c'est vraiment UCLA. Et pas les Chiefs. Parce que... Ouais, ça n'existe plus, ça. Ouais, non, mais d'accord, mais même. Enfin, bon. Donc, on va passer à un autre. Au dernier sujet, parce qu'on n'aura plus le temps ensuite à 20h. Ah, si, allez, on les fait tous. Je veux qu'on les fasse tous. On peut, Michael, si vous avez le temps. Moi, j'ai le temps, perso, j'ai le temps. Michael, bah, si tu as le temps, moi aussi. Alors, on va tous les faire. C'est parti. Donc, on va passer au prochain sujet. Alors, chers auditeurs, ça continue. Hein. C'est génial. On ne l'avait pas prévu, mais ça continue. Donnez une date de Coupe du Monde. Une première Coupe du Monde, si les États-Unis. Enfin, comment vous expliquer ? Est-ce que les États-Unis pourront gagner la Coupe du Monde un jour ? Si oui, pas avant quand ? Une date comme ça. Moi, en fait, parfois, tu nous prends pour des voyants, tu sais. Ouais, je suis un peu d'accord. c'est pas que je vous prends pour des voyants, c'est juste vos avis en tant que personne qui regarde du foot, quoi. 2026 ou... 2030, ouais, 2026. Ouais, 2022, ouais, moi, je dirais. Non, impossible. Alors, en 2022, si, sachez que si ça capote au Qatar... 2021, du coup. Ah ouais, d'accord. Non, ce serait décembre 2022. Alors, non, 2021. Pourquoi ? Mais il parle de décembre 2021 maintenant pour la Coupe du Monde. Ah non, moi j'entends 2022, je vois 2022. Ah, parce que moi aussi j'ai vu 2022. Enfin, en tout cas, en cas de problème avec le Qatar, on sait qu'ils ont quand même engagé des esclaves népalais pour faire les stades. Hein, bravo. Et, c'est vrai que bon, si le Qatar ne l'organisait pas pour une raison ou une autre, les États-Unis prendraient le relais. Donc ça, déjà, ça ferait vraiment exploser le soccer. Sachant qu'en 2022, les États-Unis veulent avoir une MLS au top du monde. Si en plus, ils ont la Coupe du Monde, ils ont du coup gagné, ils ont le soccer chez eux. Et MLS Soccer France a 200 millions d'abonnés. Donc on va espérer ça. Mais avec des voyages payés aux États-Unis. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez donc qu'en 2022, est-ce que les États-Unis peuvent avoir l'organisation de cette Coupe du Monde ? Et est-ce que vous voyez...
Est-ce que vous les voyez la remporter si la Coupe du Monde se fait chez eux? La voir, oui, mais la remporter, non. C'est, pour moi, c'est impossible. Tu le vois déjà tout de suite. Je suis d'accord. Si les jeunes qui auraient déjà en équipe américaine, là, si on parle comme ça, déjà en Belgique, tu as Hazard en 2022 qui aura 28 ans. En 1991, tu auras plein de joueurs encore qui seront encore en Coupe du Monde. Tu auras Pogba, tu auras Yann Ouzage, tu auras tous ces joueurs. Donc, non, pour moi, c'est pas possible qu'ils remportent la Coupe du Monde. Après, l'organisation, c'est possible. C'est un pays, c'est un grand pays, c'est une grosse puissance, donc ouais, ils pourraient leur accorder, mais la gagner, non, pour moi, non. D'accord. Michael, tu en penses quoi, toi? 2022, je suis sûr que tu verras la Belgique bien sûr l'emporter. Ouais, bien sûr, j'aimerais bien que la Belgique la gagne d'abord, mais aussi, bon, ça dépend, il y a plein, c'est un tournoi, donc c'est très difficile. Même, on a bien vu le Brésil, personne n'aurait dit que le Brésil perdrait 7-1 contre l'Allemagne. Ouais, alors ça m'avait un petit peu choqué, d'ailleurs. J'étais devant. Jamais, tout, ça, je sais pas, ça, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. C'est clair. Il y a la fatigue, ça dépend. On sait très bien comment il y a certains footballeurs très fêtards, donc. Oui. Ça c'est sûr, il y en a. Ouais. Parle pas pour moi, mais bon. Bah, je sais pas. Les supporters américains. T'es quand même d'origine brésilienne, tu peux l'être très fêtard. Hein. Ça m'étonnerait pas. Oh, le cliché. Ah mais attends, oh, c'est la fête. Tu disais Yannis, j'ai pas entendu. Donc je disais ouais, c'est le problème aussi, c'est que les supporters américains, ils sont pas, c'est pas des grands supporters quoi. Il y a ça aussi. Si on pense, parce qu'une équipe qui va organiser la Coupe du Monde, elle peut la gagner parce qu'elle est chez elle, mais parce que en grosse majorité, il y a les supporters qui vont être derrière, énormément. Tu vas jouer aux États-Unis, bon, certes t'as les supporters, mais les ambiances dans les stades. Après, j'ai pas été voir de match MLS, mais bon, entre aller voir un match au Camp Nou et aller voir un match à Seattle. Ah, au Camp Nou, à Seattle. J'ai un peu l'impression qu'à Seattle, en plus, ouais, non, il y a de l'ambiance. Je pense que tu prends le plus mauvais exemple de la Ligue. Je suis désolé. Allez. Columbus Crew. Et encore, ouais, par exemple. Ils ont des fans pas mal à Columbus. Mais, par exemple, tu peux dire New York City FC, tu vois, par exemple. Là, niveau fan, c'est Red Bulls. Allez hop! C'est trois mecs de 180 kilos qui, avec un finger qu'on a les tribunes. Vincent, t'as remarqué qu'il nous a toujours pas taillé les Red Bulls? Ça devrait pas tarder normalement, mais. Ouais. C'est dommage. Mais on va faire un petit taille les Red Bulls. Les Red Bulls, c'est pour après. Le petit quart d'heure Red Bulls, normalement. Voilà, on aura une petite section Red Bulls. Donc, on est d'accord, pour l'instant, c'est quand même peu envisageable une victoire des États-Unis en Coupe du Monde. Hein. Ouais. Donc, bah, alors tu veux qu'on avance le sujet des Red Bulls un peu, Romain hein. Bah, écoute. Est-ce que vous voyez les Red Bulls, comment dire, rester à ce niveau-là, c'est-à-dire sans doute l'an prochain ce sera l'équipe qui finira peut-être dernière au classement, enfin objectivement je dis pas ça parce que j'ai... on n'en sait rien, certes peut-être qu'ils vont la gagner, mais parti comme c'est parti avec leur effectif, est-ce que vous pensez que les Red Bulls peuvent devenir une équipe qui va rester au fond constamment et qui ne joue rien à part faire une promotion pour la marque Red Bulls? Je vois que la question vous inspire. Rien que dans la question, tu les tailles, c'est génial. Mais ils ont perdu beaucoup de joueurs après. Ils ont perdu Henry, ils ont perdu Kyle, ils ont perdu Olave, ils ont perdu. Ils ont perdu carrément. Ils les ont pas bien assez remplacés en plus, c'est ça le problème. Ben non, on voit donc il y a même l'affaire Oyongo. Ils ont tout perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris un coach qui est, on va dire, novice, puisqu'il a fait 6 mois au début de l'Impact et il s'est fait virer. Il a fait la saison entière, je te dis. Bon, elle était mauvaise, mais il a fait la saison d'expansion entière. Il a fait entière. Bon, il s'est fait quand même virer, donc je veux dire. Comme une merde, mais oui, mais il s'est fait virer. D'accord. Mais il a fait toute la saison. J'adore aujourd'hui comme ça taille. Saputo s'est rendu compte qu'il n'était pas italien. Donc... Ah ouais, mais c'est ça le problème. Mais quand on voit ce qu'a fait Petke avec son groupe l'an dernier, qu'on voit que le groupe s'est encore empiré et qu'on prend un coach de faible niveau, on peut le dire, faible niveau,
novice, est-ce que vous voyez les Red Bulls la saison prochaine vraiment faire quelque chose? Est-ce que vous voyez dans l'avenir vraiment un gros investissement sur les Red Bulls? Est-ce que vous les voyez par exemple un jour devenir l'équipe incontournable de MLS? Non. 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 Non, pourquoi? Ceux qui sont à non. Alors, personnellement, je pense même que les 2-3 prochaines années, bon, alors déjà, sur le plan sportif, bon, très difficile, je pense que ça va être vraiment, on va vraiment voir ce que veut faire Red Bull, en fait, avec cette franchise. Parce que bon, comme on dit souvent entre nous, Kyle, Petke, Henry, c'était un petit peu les arbres qui cachaient la forêt. Et j'ai envie de voir, enfin, dans la France, que dans, ça va être révélateur, ça va être le révélateur de ce qu'on va, des véritables intentions de Red Bull avec sa franchise MLS, avec tout son groupe de football, bon, parce qu'ils font plutôt bien leur boulot à Salzbourg et à Leipzig. Donc après, si ça se trouve, après, vu comment les Chivas ont mangé par la Ligue, je pense que Don Garber fera, enfin voilà, s'il voit que ça, s'il voit pendant un laps de temps assez long, c'est le bordel, il va vouloir reprendre la franchise, je pense. Oula, essayer de le vendre. D'accord. Michael, Yannis, vous avez dit non aussi, pourquoi? Moi, pour la saison à venir, je vais parler pour la saison à venir, parce que pour le futur, à long terme, je ne sais pas ce qu'ils pensent faire. Mais avec les joueurs qu'ils ont perdus, je pense que ça va être difficile, surtout quand on voit les autres équipes sont vachement... Ils étaient vachement actifs sur le mercato. On voit Kaka qui est parti à Orlando. On voit Steven Gerrard qui a signé au Los Angeles Galaxy. On voit la nouvelle équipe de New York City avec David Villa et Frank Lampard. Je pense que... Lampard, il ne jouera jamais. Ouais, Lampard. Il va mettre ses frappes anglaises 40 mètres en pleine lucarne. Il va choquer la MLS, je pense. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'il rejoigne le New York. Il faudrait qu'il y signe déjà. Ouais, parce que c'est le contrat n'est toujours pas officiel quand même, on tient à le dire. Si, apparemment, si. Volonté de. Je croyais que son contrat il était signé avec le City Football Club. Alors, Manchester City ou New York City, ils ont le consortium de leurs trois clubs qui leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, donc il a le contrat signé avec ça. Donc ensuite, il a signé un contrat à l'University FC, mais il n'a pas, disant qu'il appartient à New York City, c'est tout récent, c'est en janvier qu'il a fait. Donc il appartient à New York City et qu'il est prêté à Manchester City. Par contre, à l'issue de son prêt, c'est-à-dire en juin, il aura le choix de rester à Manchester ou d'aller à New York. Et le choix de Lampard, je pense qu'il est déjà fait. Et je le pense un petit peu logique de vouloir rester jouer à la Ligue des Champions plutôt que jouer face aux Red Bulls. La CONCACAF. Voilà, les jouer à la Ligue des Champions CONCACAF, je pense qu'il y en a un petit peu. Je sais pas où là. il va jouer au Panama à la rigueur. Il va un petit peu. Yannis, tu avais dit non aussi. Je sais plus si tu nous avais expliqué pour New York pourquoi tu ne voyais pas. Non, pour moi, pour cette année, il y a eu énormément de pression parce qu'il y avait déjà la création de New York City FC. Qui va avec l'argent qu'ils ont, si c'est vraiment les mêmes personnes qui tiennent Manchester City, pour moi il y aura beaucoup plus de joueurs qui vont arriver. Ça c'est certain, l'argent fait le monde du foot. Donc attention aux Red Bulls, si ça continue comme ça, ça va carrément devenir le deuxième club de New York. Quoi. Ouais, c'est bien parti. Vas-y, désolé. Donc ouais, pour moi, faut vraiment qu'il fasse attention sur ces prochaines années, parce que si New York FC envisage vraiment de tout casser dans la ligue, ça peut être assez dangereux pour eux et peut-être pas quitte à disparaître. Hein, non, je le dis pas comme ça, mais à être caché sous un autre club. Et est-ce qu'ils peuvent perdre le sponsoring de Red Bulls? Ça, c'est aussi une chose possible. Par contre, Romain, je vois que tu n'as pas réagi sur ce sujet-là. J'allais y venir. Perdre le sponsoring de Red Bulls, pour moi, c'est plus que probable. Ouais. Plus que probable. Cette année... C'est peut-être la meilleure chose à faire, d'ailleurs. Je pense aussi. La meilleure chose pour la MLS, mais pas pour le club. Je vais peut-être expliquer aussi quelque chose par rapport à ça. Maintenant, donc, Red Bull, c'est un gros projet en Allemagne. Il y avait le Red Bull Leipzig, qui, avec son grand donc qui appartient, enfin c'est le même propriétaire, et ils ont un pognon, le Red Bull Leipzig,
ils vont arriver en Bundesliga, ils vont déjà peut-être pouvoir jouer une place en Ligue des Champions de suite, tellement ils ont, Tu fais pas c'est ça si Terence Boy dans ton effectif. C'est leur ambition en tout cas. C'est, beaucoup de joueurs là-bas sont à un an ou deux de contrat maximum, plus des un an d'ailleurs. Et beaucoup de joueurs sont aussi prêtés par le Red Bull Salzbourg, qui est en Autriche. Et c'est vrai qu'il est difficile de voir une équipe affiliée à une équipe de Bundesliga qui va acheter à gogo. Donc on va peut-être avoir aussi des Red Bull qui n'auront plus aucun moyen en MLS, sachant en plus que c'est une équipe qui n'arrive à rien. Mais de là à perdre le sponsoring, c'est possible, comme dit Romain. On verra bien, on verra bien. Donc on va passer au dernier sujet. Alors je sais pas si on, je crois pas qu'on l'ait traité celui-là parce que c'est vraiment un truc que j'avais vraiment envie de mettre sur le tapis. Les clubs sont en train de construire des stades à 25, 30 000 places, mais ouais, c'est plutôt 25 000 places de moyenne. Dans la mesure où les États-Unis et le soccer se développent, est-ce que on ne va pas être obligé de très vite reconstruire des stades encore plus gros? Alors, il faut savoir que beaucoup de stades de MLS actuellement, alors je pense notamment le sud de l'Union de Philadelphie, je sais que c'est ça, ont des sons architecturés de manière à ce qu'ils sont facilement rénovables. D'accord. Que par exemple, je sais que ensuite Philadelphie peut très facilement passer à 30 000, 35 000 dans le futur. Enfin, c'est ce que j'avais lu. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas une perte d'argent d'investir, alors sachant qu'un stade coûte plusieurs millions d'euros? Je vois celui d'Orlando, je crois pas leur coûter 9 millions d'euros, je crois que c'est ce que m'avait dit le président. À 9 millions d'euros, donc ça fait le prix d'un très gros joueur, hein, 9 millions d'euros ou d'un très gros salaire. Est-ce que vous pensez que c'est pas un petit peu de l'argent foutu par la fenêtre, quoi? Sachant que ensuite il va peut-être falloir reconstruire encore plus. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu avec une équipe qui a les moyens comme ça, directement créer un gros stade? Ouais, mais vaut mieux quoi? Est-ce qu'il vaut mieux? Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt dans cette optique de voilà, vaut mieux d'abord avoir ton stade de 20 000 places, assurer le remplissage. Parce qu'après, bon, voilà, tu sais pas si quand tu construis un stade. Enfin, ça concerne plutôt les franchises originelles. Hein, on voit hein, Colorado, Columbus. Bon, ils ont des stades de 20 000, mais ça sert à rien. Hein. Tu aurais pu avoir des stades de 12 000. Enfin, j'exagère un petit peu, mais. Ben, Columbus n'était pas plein en playoff avec un stade de 20 000 places. Donc... voilà, vaut mieux, je pense, moi, je suis d'accord avec leur politique qui vaut mieux construire tout d'abord un petit stade, faire, mais à la rigueur, comme le PPL Park a fait la défi, avoir justement cette possibilité de l'agrandir après. Si jamais il y a une. Si jamais il y a une meilleure demande, pourquoi pas. Après, oui, enfin, c'est une question assez franche, qui est beaucoup plus complexe que ça, en fait. D'accord. Donc, du coup, je vais demander à Romain ensuite, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire de stade? Ouais, comme le disait Vincent, la plupart des nouveaux stades qui ont été construits sont faits en sorte de pouvoir être augmentés. Après, il y a pas mal de clubs, enfin, pas la majorité, mais il y a certains clubs qui jouent en plus dans les stades de foot US, foot américain, comme Seattle par exemple. Donc en termes de place, il n'y a pas forcément besoin de très gros travaux. Maintenant, je pense que dans un premier temps, si ton club a besoin d'un stade, il y a plusieurs clubs, bah, notamment Saint-Rosé qui vient de se doter de leur nouveau stade. Je sais pas, je suis encore assez posé sur la question, parce qu'il faudrait qu'ils soient posés équipe par équipe, en fait, franchise par franchise. Les franchises qui ont des infrastructures relativement élevées et qui n'ont pas besoin forcément de gros stades, je pense notamment à Toronto ou à Seattle. Quoi. Et vous, Michael et Yannis, vous en pensez quoi au niveau de ces stades? Vous qui serez peut-être susceptible d'y jouer dans l'avenir, est-ce que vous pensez que... Déjà, Michael, il y avait combien de personnes à peu près dans un stade d'une équipe du USL? À Wilmington, le stade il n'était pas énorme, mais on avait une capacité maximale de 4500 personnes, je pense. Et ça dépendait des matchs et aussi du temps. Donc de temps en temps, on pouvait avoir le maximum, comme on pouvait avoir 2008-3000 personnes dans le stade.
D'accord. Et à NCA, Yanis, tu sais à peu près combien c'est de monde dans un stade qui vient? Nous, chez nous, en Caroline du Sud, c'est un stade de 5 700 personnes. D'accord. Et ouais, comme j'ai dit, généralement, la moyenne, c'est 3 000 personnes. Sachant que dans les premiers matchs, ouais, souvent, le stade, il est plein à 5 500 personnes. D'accord. Et donc, vous imaginez bien, donc à MLS, ce sera un petit peu plus. Dans l'avenir, est-ce que vous pensez aussi que donc, dans ces grosses franchises de MLS, une création de stades plus gros aurait été une meilleure solution plutôt que de créer d'abord ces petits stades? Ou est-ce que vous rejoignez Vincent et Romain comme quoi c'est une bonne chose d'avoir fait ce premier palier de stade moyen, on va dire? Ouais, moi je suis d'accord avec Romain et Vincent, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que, enfin, je vais prendre un exemple. En Europe, j'habitais du côté de Nice et ils ont construit un nouveau stade et il est presque vide, quoi. Après, C'est en Amérique, sécurisé. j'ai pas vraiment d'exemple parce que j'ai pas vraiment côtoyé enfin, je suis en Caroline du Nord, donc il n'y a pas d'équipe professionnelle. On était la seule équipe professionnelle de soccer là-bas. J'ai pris l'exemple de Nice, moi c'était pas la meilleure équipe aussi que j'ai choisi. C'est une très belle ville, Nice. Ah oui, mais bon. Ils ont pris un stade, ils ont construit un énorme stade, je me rappelle plus le nombre de places, mais quand C'est j'allais 40 000. ouais, je vais voir les places, les matchs, il y a que ouais, 20 000 personnes, la moitié est vide. Jurisprudence Girondins de Bordeaux. Ouais. Et Yanis, toi pareil, tu rejoins Romain Vincent ou... Ouais, je rejoins, ouais. Plus Vincent, faut vraiment prendre par franchise après, parce que ça dépend aussi de la capacité de la ville, ça dépend des places, ça dépend du nombre de personnes qui vivent dans la ville. Donc, mais bon, après, quand j'ai vu Atlanta là, qui compte s'installer en MLS pour 2017, je crois, et eux, ils veulent jouer carrément dans le stade des Falcons. Donc, ouais. Va créer un Après, nouveau stade qui ferait les deux, quoi. ouais, mais C'est ça. après, y a pas, c'est pas le même engouement pour le football américain, le football et le soccer. On est d'accord. Donc voilà. Bien, moi, je rejoins votre avis. C'est une question que je posais un petit peu comme ça, avec une question en vous disant est-ce que ce serait pas mieux de faire ça, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment bien qu'il y ait eu ces petits stades. Bon, ben, l'émission touche à sa fin. Merci à Michael et Yanis d'avoir été là. Si vous voulez revenir, c'est comme vous voulez. Mardi prochain, on est là. Le Merci. mardi d'après. Le mardi d'après aussi, vous avez juste à contacter Romain ou moi sur Facebook, Twitter, et puis ou même Vincent si vous voulez. Et puis c'est comme vous voulez que vous revenez. Merci à Romain et Vincent aussi d'avoir été là, comme d'habitude, Merci pour à toi. m'épauler. Merci à toi, merci les gars. Et si vous avez un mot chacun à dire à la fin de l'émission, ben, je vous laisse le faire. Une petite pub, un petit coucou, un petit, je sais pas. Un petit bisou sur la fesse gauche à Monsieur Irvine, le coach, par exemple, ou même à la, je sais plus quoi, la lesbienne, là, enfin voilà, bref. vous pouvez le faire. Donc, si vous avez un petit mot, non, plus sérieusement, à transmettre, ou même à dire, ou à nous dire, allez-y, les gars. Bah moi d'abord je voulais vous remercier les gars. C'était vraiment sympa, j'ai passé un bon moment. Et puis je voulais dire un petit mot aux gars qui nous écoutent que s'ils ont des rêves, qu'ils doivent les vivre à fond et qu'ils doivent s'investir à fond pour les réussir. Voilà. Un philosophe, Michael. Comment Fils veux-tu passer après d'international, le mais fait? philosophe. Ouais. Voilà. Comment veux-tu passer après ça, quoi? C'est dur. Ah non, mais là, je pense qu'on va devoir couper direct. Là, c'est Il a fini. pas tort, il a pas tort. Non, mais il a tout à fait raison et je dis oui à 100%. Yannis, est-ce que tu as un mot à... Ouais, moi la même chose. Moi déjà, je vous remercie pour ce que vous faites, c'est génial. Et pour les gens qui nous écoutent, continuez à regarder le site Soccer France. C'est bien ce qu'ils font. Franchement, ils apportent quelque chose de mieux en France pour les gens qui connaissent pas le soccer. Donc c'est énorme. Et pour les gens qui sont intéressés pour venir jouer aux États-Unis, en université, en NCAA, bah, moi y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur mon Twitter. Comme il a dit. Si vous voyez que vous êtes un peu, on va pas dire en galère, mais si vous nagez un petit peu en Europe, ben voilà, il n'y a pas de souci, venez aux États-Unis et essayez de vous refaire quelque chose. Et Et donc Yannis, voilà. justement, par rapport à, on va peut-être aussi, tu vas peut-être donner une information par rapport à ça, pour obtenir la bourse que tu as eue, qui te permet donc de faire et tes études et de jouer
de jouer au foot là-bas. Comment tu as fait, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui nous écoutent en ce moment ou dans le futur? Bah, moi, je suis parti avec... là, je travaille en fait actuellement avec une organisation. D'accord. Vous pouvez contacter la personne directement par Facebook. Elle s'appelle Édouard Lacroix. Donc, il n'y a pas énormément de personnes qui s'appellent Édouard Lacroix. Vous allez reconnaître directement sur Facebook. Et il va vous demander des vidéos, il va vous demander plein de choses, votre parcours, votre CV. Et après aussi, si ça les intéresse, bah voilà, vous rentrez en contact avec eux, vous signez un contrat et voilà, ils envoient vos vidéos sur au coach. Ils ont plein de contacts en fait, c'est génial. Ils ont des contacts aussi avec la MLS pour le futur, donc franchement c'est génial. Et voilà, si vous voulez vraiment plus d'informations, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter moi sur Twitter. Donc mon Twitter c'est @yfiz1. Et voilà, vous pouvez me contacter ou juste vous dites que vous voulez des informations sur le college soccer, il n'y a pas de souci pour moi. Merci pour cette info. Yanis, Romain, Vincent, si vous avez un mot aussi à donner jusqu'à la fin. Vincent, peut-être ton coup de pub habituel, peut-être. Alors, c'est alors, parti. Lisez. Il est 20h20, je présume que d'ici 20h50, tu auras terminé. Lisez Soccer en France, voilà. Et voilà, ça déjà faites-le. Ensuite, ça s'arrête là ? Non, voilà, j'ai fini. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On va se moquer de moi, sûr. Romain, un petit mot d'ici la fin ? Non, mais juste avoir des nouvelles prochainement de Yanis pour savoir comment se passe la saison, son intégration en Caroline. Et puis Mickaël, savoir également comment ça se passera du côté de Rochester si jamais ça se poursuit. Si jamais ça se précise là-bas, et puis surtout, n'hésite pas à revenir vers nous pour savoir ce que tu deviens et là où tu évolueras la saison prochaine. C'est ça, quand vous voulez, n'hésitez pas, comme un petit message, vous êtes dans l'émission, ça va vite. Hein. Il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est très bien. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, à ceux qui nous ont écoutés en direct. Vous étiez une dizaine aujourd'hui, ça augmente, à l'habitude, c'est plutôt 8-9 en direct, puis une centaine après, et puis ensuite... mais aujourd'hui, on est 10, donc ça laisse apparaître de... un bon nombre d'auditeurs pour la suite, donc on vous remercie à vous aussi. Donc merci Mickaël et Yanis d'avoir été là, Romain, Vincent. À la prochaine, à mardi prochain, 19h, comme d'habitude, pour On parle MLS numéro 6. On va parler du début du championnat, puisque ce sera dans la foulée. Bon, eh bien, bonne soirée à vous, bon après-midi à nos amis québécois. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Allez,